Les gens, on se retrouve sur Planet Zoo. Je fais cet épisode à la suite de l'autre. Je sais juste pas quand est-ce qu'il arrivera, mais je fais cet épisode à la suite de l'autre. Et donc, je vous rappelle que dans l'ancien épisode, on était dans la merde parce que très clairement, on doit réparer notre putain de truc. Et je vais pas assumer, mécanicien, répare les attractions. Non, qu'une, c'est bon. Déjà une, c'est déjà trop. Dépêche-toi. Ah putain, on est en train de tout perdre, les gars, on est en train de tout perdre. Mais bande de fils de pute! Quelle bande d'enculés! C'est bien. Par contre, attends. Pause. On va faire un truc parce que du coup, j'ai pas envie de me faire baiser. Donc on va mettre technicien, mécanicien. On peut savoir parce que je sais que sur Planet Zoo, on peut savoir quand est-ce qu'il. Dans 30 euros, ça te va? Est-ce que ça te va, ça, 30 euros? Par mois, hein, je retiens. Productivité augmentée, certification augmentée, augmente attente salaire en os. Oh lolo. Ouais non, on va éviter. Donc voilà, on va essayer de se regagner de l'argent. Ça va, ça revient. Par contre, j'ai deux doigts de le virer. Vous savez quoi? Il a fait le truc, je vais le virer. Au moins comme ça, ça me fait... je gère mon argent, tu vois, c'est... Ouais bah je suis désolé, je gère comme je peux. C'est peut-être honteux ce que j'ai fait. Peut-être pas légalement faisable en France. Mais j'en ai rien à foutre. Je gère mon argent comme je peux placer un... J'ai pas d'employé. Donc au moins comme ça c'est réglé, poto. J'attends juste qu'ils reviennent. Il y a eu une rénovation. J'appellerai juste des mécaniciens quand il y aura une rénovation. Au moins comme ça, ça m'évitera de payer trop cher. Bon, à part un moment où je garderai un mécanicien tout le temps. Là, il faut que je remonte à 1200. 1200, tu vois. Niveau réputation, elle a combien? Prestige. Note de l'environnement de la file d'attente. 41%. Pas dégueu. Prestige. Elle est bientôt reconnue. Elle est reconnue dans le monde entier. C'est... Moins 144. Ouais, mais je suis en train de remonter, donc j'en ai rien à foutre. Pour l'instant, moins 44, je suis d'accord. 13 ans avant de devenir un classique. Faut que je me plie un classique. Voilà. Parce que quand elle devient un classique, à mon avis, y a beaucoup de monde qui veulent y aller, tu vois. Ouais, bon, oui, c'est sûr que si vous avez des gosses, les amenez peut-être pas dans cette attraction-là. Parce que bon, c'est compliqué, quoi. En vrai, il faudrait que j'arrive à faire le tour complet avec ça. Pour que l'attrait augmente encore un peu plus. Je crois que je vais faire ça pour l'instant. Et après... Non, pas ça. Attendez. Tac. Non! Non, mais c'est pas possible. Oh putain, poteau. Regardez. Je vais juste mettre ça et je vais prendre... Et je suis en perte d'argent, là, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand même. En fait, mon but, ça a essayé d'être de mettre tout ça là. Un peu partout autour de la truc. Putain, les gens vont me casser les couilles. Employés, mécaniciens. Dépêche. Là, je suis en train de perdre de l'argent. Dépêche, ta mère. Attends. On a fait l'objet d'une réparation. Ok. Mécanicien, direct. C'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon pour toi? Voilà, c'est bien. J'ai déjà du monde qui revient. C'est bien, c'est cool. Il repaye une deuxième fois. Allez, let's go. Bon, bref. Donc, du coup, on va. Dès qu'on arrivera à 1200, on tentera de. Tac. Allez. Bon, par contre, si le mécanicien il sait pas bien faire son boulot, moi je peux rien. Voilà, comme ça. Yes, je suis en positif. Ça, c'est rassurant. C'est rassurant de fou, les gars. Ah non, mais je vous cache pas que. Ah là, quand ça me l'a fait deux fois d'affilée, j'étais en mode. Ah bon, c'est la fin. C'est. Mais les gars, le putain de mécanicien, il sert à rien. Je suis intelligent. Je vire le mécanicien dès que possible, tu vois. Le mécanicien sert à rien, c'est pas possible. Ils veulent absolument que je le garde, le mécanicien de merde. Ah putain, non mais... Ah putain, je te jure. Horreur. Allez, je bouge juste ça pour le coller à ça. Comme ça, voilà. Putain. Go reprendre un mécanicien. Je pense que je vais le laisser, le mécanicien. Je vais juste le mettre très bas en termes de salaire. Genre à 100 balles par mois. Au moins comme ça, ça me fait pas perdre beaucoup. Et je me fais quand même un minimum. Parce que... Ouais, je crois que je vais lui mettre 100 balles. Tu vas me casser les couilles pour 100 balles. Attends. Gestion du parc. Mécanicien. Non, voilà. Au moins comme ça, je me fais encore un petit bénéf. Parce que sinon, je suis désolé, mais je me fais plus de bénéf. Donc 100 balles. Et ton boulot, c'est juste de bosser. Un boulot normal. Ils ne sont plus prêts à payer un surcoût. Oh lolo. Ah bah quand même un peu. Eh, quand même un peu. 10,99, ça passe. Let's go. Putain. Allez, là c'est quoi? Vieillissante. Cette attraction commencera à vieillir dans 3 ans et 3 mois. Les attractions vieillissantes perdent peu à peu leur prestige jusqu'à devenir des antiquités. Oh, ça perd les faveurs. Regain de popularité. Ça par contre, il faut que j'arrive à tenir 9 ans quoi. Enfin, et là c'est au bout de 12 ans. Bon, d'ailleurs, donnez-moi des noms en commentaire pour. J'ai vu qu'on pouvait renommer. Là en vrai, je l'appellerai. Elle. Non. Yeah, j'ai des noms de merde moi. Donc, oubliez. Ah ouais, il va falloir que je mette aussi un truc pour mon employé.
Oh là là. Ah, attendez. Ouais, là c'est bon. Regardez. Il me fait peur à chaque fois le bruit. Par contre, je jure que si tu me le répares pas bien, le mécano là. Voilà. Bon, et là, on va supprimer. On est très économe, je sais. Mais je veux. En fait, je vais essayer que cette truc là, ça pète, tu vois. Sans trop péter. Donc là, en fait, j'attends surtout de me faire beaucoup de thunes. Au moins comme ça, dès que j'ai beaucoup de thunes, c'est cool. Putain, vous devez me prendre pour un rat à mourir. Pourquoi j'ai fait ça, j'en sais rien. Vous avez pas la question, je vous ai dit que j'en savais rien. Voilà, bon bref. Là, on va le lever. Attends. On va faire... Ah, mais je vous jure, le bruit me fait peur hein, à chaque fois. Et regardez, elle marche toujours aussi bien. On remarquera, elle marche toujours aussi bien. C'est un délire. Mais putain, moi elle marche. Point. Je veux rien savoir d'autre. À partir du moment où ça marche, je suis content. Voilà. Là, c'est pas compliqué. Attendez, on va le mettre là, comme ça. Et on va le lever comme ça un peu. Alors, perfectionne notre première attraction. Parce que oui, elle s'est pas assez perfectionnée. Y'a quoi? Ah putain, ils veulent absolument que je mette le truc. Ils me cassent les couilles, les employés de merde. Ah là, putain. Oui, oui, bah oui, c'est bon, j'en ai un d'employé. Je le sais très bien qui c'est. C'est l'autre trou du cul qui m'a pété les couilles, a mal réparé le truc et donc à m'obliger à rembaucher à chaque fois un nouveau mec. Et voilà, regardez. Oh non, mais t'es pas en grève. Ah putain. Attendez, P. Oh là là, tu vas avoir 145 euros. C'est bon. Ah, il me casse les couilles un peu. Dépêche. Mais la vie de ma mère, dépêche. Mais je suis en train de tout perdre. Et tu sais quoi? Et tu sais quoi? Non mais en plus tu m'as pris de l'argent. Dégage. C'est bon. Allez, vas-y, un moment, faut se calmer. Je te casse loin, tu vas être viré, c'est bien, je reprends. C'est typiquement le genre de patron de merde hein. Faut être très clair. Allez, dégage. Au moins lui comme ça il me fera moins chier. Voilà, c'est pour ça que je vais le laisser Oh non mais putain. Allez les gars. Voilà, on va peut-être essayer de monter un peu. 11 dollars, c'est bon? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de regarder ça. Le parc est correct pour l'instant. C'est bon. Je suis à 11 dollars. J'ai augmenté un tout petit peu. Je vous tente des ajustements tactiques et techniques. Alors, je vérifie. Attendez, oui, je vais vous mettre de nouvelles attractions mais par contre payez cher parce que bon là je suis un peu en train de galérer sinon. Je vais mettre un faut d'abord que je mette un truc pour mon employé. Putain, il casse les couilles. Casse les couilles un peu. Genre, battu mon employé. Ça coûte combien? 200 poteaux. Mmh. Ah, j'ai envie de mourir. La vie de ma mère, j'ai envie de mourir. Ah, c'est hardcore. Ah, c'est hardcore. Putain, non mais. Ah, c'est cher. Attendez, je vais aussi mettre des caméras après. Parce que bon, là, il commence à me sérieusement me casser les couilles. Donc, du coup, il n'y a pas de problème, les gars. Vous voulez me faire chier? Bon, on va faire chier à fond. Pas de problème. Pas de problème. Attendez. Du coup, faut qu'on fasse un peu. Un truc de plage, tu vois. Un truc de beach. Comme le mécanicien qu'il y avait tout à l'heure. Une beach. Voilà. C'est. Une snitch, c'est une beach. Ah, je trouve pas ça beau. En brique. En pierre, brique moderne, et de trouver s'il n'y a pas un truc qui peut faire stylé. Devanture brique classique, ouais, non, on va éviter. Devanture bois peint, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est le truc le moins dégueulasse que j'ai trouvé quand même. Non, il faudrait un truc qui ferme complètement, il n'y a pas. Je voudrais des murs, pas des décorations murales, éléments muraux. Attendez, je vais le faire en bois pour une raison simple, c'est que. Après, ils vont encore me dire oui, non, mais tu prends pas soin de tes employés. Bah non, je prends pas soin de mes employés, ça sert à quoi de prendre soin de ses employés? Oh là là, trop, je vous jure. Non, mais qui prend soin de ses employés en 2022? Personne. Bah donc, pourquoi je devrais le faire? Ah ah, je vous pose la question. Vous n'arrivez pas à me répondre? Bah oui, normal, parce que normalement, tu n'es pas censé prendre soin de tes employés. Quoi ça? En Big 2022, tu prends soin de tes employés? Bah non, c'est. Jamais vu ça. Y a pas un truc en bois, tu sais, qui peut faire stylé? On va mettre à toi de château. Non, en vrai, je sais pas. Attends. Ah, ça peut être bien, mais pour des plus grosses attractions, je pense. Enfin, pour des plus gros. La moderne. Et je parle pas du plat de pâte. Oh putain. Faites pas grave, je suis lourd. Tunnel. Non. Attendez. On tente de ouais, bon, on va mettre un truc classico de la Madrido, tu vois. Voilà. Enfin, là, classique, tu meurs. Plus classique, tu meurs. Hop là. Attendez. Hop là. Un pignon, c'est comme ça qu'on appelle. Est-ce que les trucs qu'il y a au-dessus des portes, là, on appelle ça des pignons de porte? Moi, je préfère les pilons de poulet. Bon, en termes de blague, j'ai jamais été aussi bas, hein, faut le dire. Formation murale. Charpente en bois. On va y aller mollo. C'est bon? Merci. Parce que là, il aura le. A pris pour Valérie D'Amido, lui, ou. Calmez, les gars. Oh putain. Excusez si vous entendez des bruits, hein. Mes chats. Est-ce que c'est étonnant? Je ne pense pas. C'est sur l'habitude. Bon, pour vous, c'est juste. Voilà. Attendez. Voilà quoi, enfin. Dégueulasse. Les gars, c'est dégueulasse. Attends, terminé. Modifier le bâtiment. Quoi? Je peux pas te. Attendez. On va le changer, du coup. On va le changer et on va mettre un truc plus stylé. Stylé génie. Un truc en brique. Il y a que les trucs en brique. Bah, go. Bon, on va mettre un truc en brique, du coup. En brique carré. Voilà, c'est bon. J'ai une flemme intense. Ouais, peut-être un peu. Voilà. Nickel. Bon, maintenant, truc compliqué. Là, j'aurais passé 10 ans à faire un putain d'abri pour mes putains d'employés. Qu'est-ce que j'en ai à foutre en plus? Et vous imaginez même pas à quel point. Ah, genre vraiment. Qui en big 2023? D'ailleurs, j'étais 2022. On est en 2023. D'ailleurs, bonne année à vous. Ça sera une des premières fois où je vous le dis. Parce qu'à chaque fois, je zappe. Désolé. Mais bon, voilà. Vous avez l'habitude. J'en peux plus, les gars. Attendez. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Gestion des employés. Oui, ça, c'est bon. J'ai compris. Merci. Alors. J'irai dans bâtiment, moi perso, et j'y mettrai pignon. Ça, attendez. Wesh! Il est possédé par un autre. Ah, le bug, il est possédé par un autre. Ah, là, fort. Voilà. Écoutez, les gars, c'est pas forcément très beau, mais au moins, ça tient la route.
Et ils me casseront plus les couilles en mode hey, c'est trop triste. Ta gueule. Ferme ta gueule. À un moment, voilà. Faut que je me fasse de la thune, moi. Oh. Rien à foutre de mes employés. Y'a quoi? Encore une fois, ce qu'il y a pro. Attendez, attendez. Voilà. Non, non, attends. Pas ça. Ah putain. Ça, c'est casse-couille par contre. Ça, je vous le passerai. Vous inquiétez pas. Voilà. On trop de travail. Beaucoup d'employés sont des fainéants. Hein. Surtout la pression. Parce que là, Putain. Les employés ont trop de travail. C'est la meilleure celle-là. Moi, puceau. Pah, l'espoir. Demandez même pas si je suis puceau. Bon. Là, ça va me casser. C'est le genre de truc qui va me péter les couilles. Genre, premier degré. Attendez, j'ai une idée. Ça va faire dégueulasse, mais je préfère. Je préfère 10 000 fois faire ça, tu vois, que l'autre truc dégueulasse là-bas. Voilà, au moins comme ça, il y a tout le truc qui est rempli. Et ça me rajoute un peu de pourcentage en plus. Encore. J'espère. Sinon, je vais péter un câble. Voilà. Deux épisodes pour faire une putain d'attraction. Hein. Attendez, on va faire ça. Là, je vais peut-être vous le mettre en accéléré. Très certainement d'ailleurs. Voilà, on va faire comme ça. Je suis désolé, je me suis détendu. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, bon, on se demande. Non, en fait, je sais très bien ce qu'il faut faire. Voilà. Mais ouais, le truc, c'est que je sais pas encore si vous allez avoir deux épisodes par semaine de ça ou plus. Attendez, on regarde. On a 49. C'est-à-dire que si on continue, on va peut-être monter à 50. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez compris, c'est bon, je sais pas. Je vais vous prendre pour des cons. Ah putain! Toujours la même, de toute façon. Des vrais racistes, je. Pas possible. Putain. Voilà, comme ça. Allez. Là, c'est nickel. Comme ça. Comme ça. Voilà, c'est nickel. On y a. Est-ce qu'on a 50? Toujours pas. J'ai l'impression que le reste, je le fais pour rien. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça, tu vois. On aura fait un gros boulot quand même. Donc maintenant. Ah, mais c'est l'autre là qui me. Eh, c'est quoi? Nique ta mère. Je suis désolé, hein, mais à un moment, finance, recherche, vue d'ensemble, visiteur employé, technicien. Allez, dehors! Que du coup, ça me décharge. Ça a pas vraiment l'air de me décharger, mais écoutez, je sens que je vais vraiment faire, par contre, une 39. Est-ce que 39, il y a toujours des gens qui rentrent? Est-ce que les gens rentrent à 39? À 39, les gens rentrent. Ouais, c'est bien. Là, je suis en déficit, j'aime pas ça. 11,99, les gens rentrent? Les gens rentrent pour 11,99, allez. Ah ouais, non, mais frère, il faut vraiment que... Je pense que je vais quand même essayer de me prendre un prêt pour augmenter, parce que là, je trouve que les gens commencent à ne pas m'aimer. On va augmenter tout de 99 centimes, c'est bon? On y verra. 99, 99. Voilà, comme ça, c'est nickel, tu vois. Est-ce que les gens disent que c'est trop cher? Visiteurs, de quoi manger dans ce parc? C'est vrai qu'on a à boire, mais pas à manger. Donc on va leur donner à manger, les gars. Les gars, on va leur donner à manger. Je suis en train de remonter. Hein. On va leur donner à manger et je vais essayer de pas prendre de... En fait, le truc qui me dérange... Dans le fait de prendre Tasty, voilà, pareil. Voilà, vous allez prendre à manger et je... Attendez deux secondes, après, donc terminé. On va faire aller, voilà, je sais pas quoi faire d'autre, tu vois. C'est dégueulasse, certes, mais c'est en attendant. Excuse de merde, hein, l'excuse de merde. Attendez, on va... 99, 99, 99. Alors, est-ce que vous pourriez manger et boire beaucoup? Je crois que je vais réellement prendre un... En fait, j'ai l'impression que cette attraction-là, je peux la monter encore un peu. Je tentais de faire un truc assez risqué. Ça s'appelle le monter d'un euro direct. J'ai l'impression que cette attraction-là, elle est... Ch'taille. Et elle rentre. Il rentre. Pour 12,99, il rentre. Pour 12,99, il rentre. Ok. Ça a l'air de remarcher. Est-ce qu'il se plaigne du prix? Peur que j'ai marché dans du... Quoi? Attends. C'est où ça? Ah merde. Ah merde. Ouais, mais il commence à me casser sérieusement les couilles. Donc, ouais, vas-y, je vais faire un prêt. Je vais faire un prêt, les gens. Finance. Emprunt. Oh là là. Je vais me prendre 1500, ok? Avec un taux d'intérêt... Ouais, vas-y, bah, go me prendre à 50% du coup, parce que là, taux d'intérêt 60%. Bon, on sait tous ce que ça veut dire. Il y a un vomi ici. Donc, non seulement, il me casse les couilles à un niveau pas possible, les gars, mais en plus... Attendez, déjà, l'emprunt, on va le baisser. Voilà, on a 300 euros par mois. En attendant, au moins comme ça, ça sera plus smooth et ça me niquera pas tout. Que pour l'instant, je suis dans la merde. Pour l'instant, je suis vraiment dans la merde. Vraiment. Employé. Et on va aller dans mécanicien. Voilà. Gestion du parc. Voilà. Ça m'énerve. Ils sont trop chers. Ça, c'est un truc qui me casse les couilles, tu vois. Ok. Bah, tant qu'on y est, je vais prendre ça. Les gens n'ont pas l'air très chaud pour celle-là. Parce que regardez. Nausée 0,65, tu vois. On met celle-là comme ça. Placer l'entrée. L'entrée, on va la placer là. Comme ça. Placer la sortie, on va la placer là. Et on va en faire un truc comme ça. Bénéfice, moins 773. Putain, dépêchez. S'il vous plaît, rentrez. 12,99, messieurs, dames, venez. On a une promo. J'essaye de faire comme les magasins quand ils te disent « Ouais, non, mais les gars, il y a une promo. » Alors que pas du tout. Mais ça fait venir les gens. Parce que les gens sont cons et ils pensent pas plus loin que leur cul, tu vois. C'est pas... Bon, bref. Attendez, on va faire pause. Ça, la pause, c'est très utile. On dirait pas comme ça, mais c'est très utile. Bon, encore une fois, si vous entendez mes chats miauler, n'inquiétez pas.
Voilà, le reste, ah, on le changera plus tard. Là, déjà, on va... Attendez, parce qu'il faut aussi que je place la sortie, du coup. Allez. C'est dégueulasse, on est d'accord, mais c'est pour essayer d'avoir un peu plus de... bénéf. Un peu plus de bénéf et peut-être des gosses qui viennent, tu vois. C'est jamais... Et c'est très loin, donc déjà pour plus dire que... Non, parce que là, on va le mettre à 3, 4 à 10. Bon, ce serait bien que terrain, voilà, on reste sur le délire de la plage. Alors, environnement, des palmiers. Oh non, 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 les gars, hey, les gars, je flippe. Attendez, on va faire un truc très simple qui s'appelle du copier-coller. Hein, voilà, 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 voilà. Est-ce que je remonte? J'ai du mal à mon avis à remonter. 5%. En fait, le problème, c'est pas ça, c'est que je vais galérer. Je vais galérer. J'ai mis un deuxième truc, hein, les gars. Donc, si jamais vous me dites plus, ouais, non, mais trop peu de. Il y a trop peu d'attractions. Non, vous allez arrêter. Nickel, nickel. Nickel, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, une fois, j'essaye, hein, on sait jamais. Je pense que 2, ça sera assez, tu vois. Voilà, voilà, on est à 14. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, par contre, je suis de plus en plus en déficit, là. Je dis ça, je dis rien, mais je sens que la partie, elle va très rapidement se terminer, encore une fois. C'est bon. Attendez, s'il vous plaît. Lui, je vais le mettre à 15$, je crois. Lui, c'est un de ceux qui l'est le plus, tu vois. Donc, je me dis que si je le mets à 15 balles, est-ce que ça fera vraiment une différence? J'ai bien apprécié, tu vois. J'ai bien apprécié. Et c'est celui-là qui me fait avoir le plus. 13,99. Que 13,99, ça les dérange ou pas? On est dans la merde. Vous vous rendez pas compte à quel point on est dans la merde, les gars. Bon, du coup. On va se laisser là, ça va faire 40 minutes que je suis en stream, en train de rec. Donc on va se laisser là, on se retrouve la prochaine fois sur Planet Coaster Tycoon. À chaque fois je dis Tycoon, je sais pas pourquoi, bon bref, c'est Planet Coaster, je sais, bon. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, abonnez-vous, c'est important, pour soutenir et tout, t'as compris. Je vais pas faire comme tous les autres youtubeurs, ils te l'ont déjà dit 10 fois avant, je vais pas te le redire là, mais bon bref, voilà. Donc à plus tard, bye.